Bonsoir à tous. Et voilà, on reprend un petit peu l'histoire de Genshin. Donc cette fois-ci, on commence l'acte 1 de l'IU, puisqu'on a fini la dernière fois l'acte 3 de Mondstadt. Voilà. Pour vous montrer un petit peu les quêtes. Donc on a la première ici, donc il faut que j'aille au port de l'IU, évidemment. Et celles-ci également sont à l'IU. Voilà. Ah, non, c'est parce que je suis en train de regarder. Ah non, celle-ci, elle est à Mondstadt. Ouais, bon, on va commencer celle de l'IU, de toute façon. Mondstadt, c'est pas trop, trop grave. Au moins, on va continuer la petite aventure. La jolie histoire de Genshin Impact. Donc j'ai déjà mis mes petits points de suivi pour pouvoir me faire des haltes. Donc ici, comme ça je vais pouvoir débloquer la zone, je pense que ça fera une zone comme ça. Et après j'irai débloquer celui-ci et on se retrouvera directement ici qui est à l'IU. Voilà voilà. Et ben c'est parti, je vais me faire téléporter à ce donjon. Et puis bah let's go hein. Oh, j'ai eu peur, c'est quoi ça? Il vient vers moi là? What, c'est quoi ça? Oh là là, oh là là. Je vais mourir si je reste là. Ça commence bien. Comment il allait archi vite le truc là. Bon, normalement ici j'ai pied, je pense. Ah non, j'ai pas pied. Oh, c'est pas vrai. Je vais déjà mourir. je vais déjà mourir. Voilà, voilà. Bon, bah. On commence bien. On recommence. Je retourne à mon téléporteur. Hop. Je sais. Je dois aller. Donc déjà, je vais faire une halte sur la petite île, là-bas. Parce que le machin bizarre, il est ici. Puis il doit être archi dur à combattre. Ah, et ici, c'est un boss. Donc, faut que j'arrive à y aller sans déclencher le boss. Ou alors, faut que j'arrive à aller jusque là-bas. Ouais. On va essayer, hein. Allez, ça va le faire. Ah, d'ailleurs, il y a un défi. Je vais le mettre sur ma petite carte. Ça va être où exactement? On va dire là. Approximativement. Hop. Voilà. Je me suis fait un petit code couleur. Là-bas, il y a un combat. Bon, ils ont pas l'air bien méchants. C'est des monstres que je connais. Ah, c'est lui qui me glace. L'autre, il est même pas levé. Il est resté assis là-bas. La blague. Ça, ils sont faciles à battre. Hop, comme ça j'ai déverrouillé le petit coffre au passage. A reward on the road. Une coupe de chanceux. Je sais pas à quoi ça va me servir. Alors, il y a un anémo par là. Il est où? Oh, il doit être là-bas. C'est même pas la peine, oui. Bon. Attendez, c'est le truc orange là-bas? Ah, mais ils ont changé de couleur! L'anémo maintenant il est orange. Ah, je crois qu'il m'a vu.
freeze. Windblade. Dodge this. Let it rain. Prepare to be blown away. Ah, mince. C'est pas trop la, la chose à faire. Il est mort ? Ah bah oui. Bon bah pourquoi pas finalement. Ah. You're in for a little shock. Come a little closer. Ah. Mince. Ok, et le dernier. Ah, c'est pas facile de combattre sur l'eau. Salut, Machip. Ça va et toi? T'arrives pile au moment où c'est déjà le combat, quoi. Alors, quoi de beau de ton côté? Avec ces chaleurs. Ouais, ça va, il fait moins chaud aujourd'hui quand même. Ça s'est adouci. Donc c'est pas plus mal, hein. Donc voilà mon point de téléporteur. Salut Spé, comment vas-tu? Comment va tout ce monde? Le coffre est enterré, pourquoi? Y a un boss? Oh non! Combien de fois je vais devoir le battre celui-là? Allez, descends. Presque. Bim. Plein de fois, il donne une ressource, il me semble. Alors non, celui-là, je l'avais pas encore eu. En fait, ils le mettent plusieurs fois dans la map entière. Donc là, c'est le troisième différent. Le premier que j'avais combattu, il devait être niveau... je sais pas, peut-être 20. Et tout à l'heure, dans la journée, j'ai été à l'antre de Storm Terror et il était niveau 32. Bon, celui-là était niveau 24, donc ça va, ça a été hyper rapide.
Mais cet après-midi, c'était une horreur. Archi compliqué. Ouais, niveau 32, je l'ai senti. J'ai mis 10 plombes à le tuer. Il est mort ? Il a touché l'eau et il est mort. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire F. Oh, il y a un gros là-bas. Mais je vais le laisser tranquille. Des petits montagnards. Là-bas, il y a une espèce de... Il doit y avoir un boss encore là-bas. De toute façon, tout ça, je referai le tour quand je farmerai. Bon, du coup, là, je suis niveau 24 d'aventure. Bientôt 25. Pas longtemps. Il y a un anémo. Ah, il est là-bas. Je le vois. Et la statue des sept est là-bas. On la voit bien. Bon, est-ce qu'il y a des méchants à côté? Non. Ah, si. Oh non! 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 Non. Je suis pas d'accord. Je m'en vais. Je sais qui c'est, lui. Et je l'aime pas. Du coup, il est à peu près ici. Voilà, ça c'est un gros méchant. Il y en avait un aussi dans la zone mon stat et il m'avait défoncé. En fait, il laisse des empreintes d'énergie derrière lui. Je sais pas trop. C'est trop bizarre. Ouais, il est beau hein, ce boss là, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Oh, et je vais galérer ici. Wow, quand je vois la... Regardez-moi ça, ce monstre. Aïe, aïe, aïe. Oh, faut que je monte tout en haut. Est-ce qu'il n'y aurait pas un point de sauvegarde pas loin? Parce que si je meurs sur la route, ça va être chiant. Ah bah, il y a un animal encore. Je vois pas de point de sauvegarde. Il n'y en a pas. Oh, on va bien voir. Hein. Quoi? Ah, c'est un boss ça? Oh, on dirait un but bizarre. Revisiter. Cool it. Ouais, j'arrive pas à... Il a fait un bébé. Il y avait un bébé derrière moi. Je suis mignon. Je vais peut-être me redonner de la vie aussi. Attends. Moi j'utilise un combo de gel, un perso eau qui mouille les adversaires et le perso de glace qui les gèle. Du coup, ça... Laisse une ouverture pour leur péter la tronche. Ah ouais, carrément. Merde, j'ai pas vu où est-ce qu'il était parti du coup. Oups. Ah bah il est là. D'ailleurs, il y a un animoculus juste à côté. Je sens qu'il va y avoir un boss, ça va être chiant. En fait, du côté de mon stat, il n'y a pas de boss à côté des animoculus, donc c'est plus simple. Parce que là, si à chaque fois il y a un boss, c'est chiant.
Il est où? Je le vois pas. Bon. Eh bah tant pis. Allez, on y va. Ah, un défi. Map. Je vais l'indiquer. Tac. On va passer des méchants, mais il n'y a pas de coffre. Et il faut que j'aille là-haut. Ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de truc à côté pour me téléporter dans le cas où je meurs. Ouais, ça va le faire, il n'y a pas l'air d'y avoir de méchants entre les roches. Aussi s'il n'y a pas un coffre qui traîne, parce qu'on ne sait jamais. C'était un fossile? J'ai rien récupéré? Non. Oh, une petite maison! Je pense qu'il y a des monstres par là. Bah nickel ça. Ça fait plaisir un petit coffre comme ça. Facile à avoir, sans combat. Ah, il est différent celui-là. Il y a une personne assise maintenant. Le monde s'ouvre aux âmes nobles. Ok, on a déverrouillé toute la zone. Toute la zone. Putain, elle est grande la zone que j'ai déverrouillée là. Pas mal, pas mal. Après, on va aller déverrouiller celle-ci. Par contre, il n'y a pas de point de sauvegarde entre les deux. Celui-là et encore. Je sais pas si je vais m'y arrêter. Ouais, on va aller s'y arrêter. On sait jamais. Hop. Et ce que je peux faire, ça va être l'offrande. Ah oui, maintenant il faut utiliser cela. C'est plus la même chose. Ok, j'ai compris. En fait, par grande ville, il y a les animoculus liés à la statue des sept concernés. Ah, il faut comprendre tout ça. Hein. On offre celui qu'on a, même si ça donne pas grand-chose. C'est pas grave. Du coup, il faut que j'aille par là. Ah, il y a une autre avec un monsieur. Ah, c'est pas un monsieur, c'était une dame. Par contre, il n'y a pas de coffre. Il est où l'animoculus? Animoculus. J'ai utilisé son A, génial. Ah, il est là. C'est assez sombre ici. Hein. On a un tout autre décor. Mon stade, c'était tout chatoyant et tout. Et là, c'est l'obscurité totale. Ça
ça va te permettre de choisir un type différent pour ton perso. Ah oui, alors le type différent, le type Géo, je l'ai déverrouillé l'autre jour. Mais j'étais avec vous d'ailleurs en stream. Et c'était totalement par hasard et c'était pas une statue des 7 différentes de mon stat, je crois pas. Quoique, peut-être que si, attendez. Elle était, c'est là. Je l'ai déverrouillé ici, le Géo. Et voilà. Du coup, je sais pas c'est quel monde par là. C'est pas grave. Hop. C'est comme si j'allais à l'opposé, c'est trop bizarre. Non, ça va. Ouais, ça me fait un chouïa de détour, mais ouais, c'est pas grave. Oui, ils vont m'emmerder. Je le sens. Est-ce que j'ai pied? Oui, j'ai pied. Il y a un animoculus là-bas. La musique, elle s'est arrêtée. Oh! Un petit coquillage. Conque d'étoiles. On a aussi de nouveaux éléments. Ah! Non, pas ça. Je monte un petit peu. Oh, une mamie! Ah, je veux pas. I hear your voice. C'est ce qu'elle a dit. Là, je l'atteins toujours pas. Oh, un coffre. I'll keep this close. Est-ce qu'il faut que je monte encore? Ouais, je peux pas monter. Oh. Ah, ou alors je peux voir d'ici. Ouais, ça le fait. Ok. Mon troisième. Il y a un coffre là-bas. Avec des petits monstres. Je vais aller le récupérer. Ils vont venir m'attaquer, mais bon, tant pis. Ou alors je sens qu'il y a des monstres qui vont apparaître. Non, même pas. Je me résigne. Quite the find. Je me disais aussi, c'est bizarre que je les déclenche pas. Bon, je sais pas à quoi vont me servir les conques, mais ça va sûrement me servir. Ça, c'est une méchante là en face de nous. Je vais pas m'en approcher. À mon avis, elle doit être forte. Oups. Je vais les éviter parce que je sais pas s'ils sont quel niveau. Niveau 25. Ah non, ça le fait. Oh. Ah mais c'était mon dernier. Ah bah d'accord. En fait, je les ai tués facilement. J'ai peur pour rien, moi. Ah, quite the find. Donc, on a dit le temple. Tiens, il y a une maison par là. On va regarder s'il n'y a pas un coffre autour. Pour monter certains persos. Comment ça, pour monter certains persos? J'ai pas compris. Et bah y'a rien. Allez, on continue. Ah, les coquillages. Ah, ok. Ah.
D'accord. Bah, après, quel perso, ça, je sais pas, mais on verra. Je fais où, là? Parce que là, je vais pas du tout vers le temple, il est à droite. What's the hurry? Ah. Je pense que l'animo, il est en haut. Voilà. Bah oui. Et le temple. Le temple. Je ne le vois pas. Il doit être par là. Ah, là-bas. Non? Ça doit être ça. On va voir. On y va, on y va. Je regarde s'il n'y a pas un coffre par là. Sur le toit. Alors, le temple est censé être ici. Ah non, il est en bas. Faut que je descende. Voilà. Hop, et un téléporteur activé. Attendez, je peux le faire ? Non. Ah non, niveau 45 des persos. Alors, hop, après, nous allons ici. Voilà. C'est simple, c'est simple. Pour le moment. Ok, je le vois. Il dépasse. Pourquoi elle est toute seule accroupie? C'est un méchant. Non? Ah non. Quoi qu'elle reste seule. Non, ça c'est les mêmes fruits. Ouais. J'en ai pas besoin. Oh, c'est quoi ici? Oh, c'est quoi ça? Ouh là là! Ah non. Je sais pas pourquoi. J'ai eu peur que ça m'épouse à. Ils font quoi les trucs là? Et où le troisième? Ok, c'était pour déverrouiller le coffre. Génial. Je découvre des choses. Tiens, on dirait bien qu'il y a quelque chose inscrit sur cette stèle. Ouais, mais pourquoi tu me dis pas ce qu'il y a écrit? Ouais. Ok. That's more like it. Ok, on monte de là où on venait. Ok, donc ici il y avait l'animoculus. Et moi il faut que j'aille là-bas. Il y a des coffres partout. Another target tracked down by Outrider Amber. Je vois plus le trait. C'était quoi? Ah. Ça, ça doit être un défi. Freeze.
You're in for a little shock. Come a little close. Ah non, ça a rien déverrouillé. J'ai cru. Ils ont tous apparu comme ça, tranquille. Cool it. Ouais, non, je connais aussi. Pistil de fleurs enflammées. Pourquoi il court pas? Il est pas si penses-tu que ça? Bonjour, récipon, recipon. Je sais pas comment ça se dit. Comment vas-tu? Hop! Yes! On a agrandi la map. On a quand même pas mal, hein. On en a un petit peu par-ci par-là, mais ça commence à être pas mal tout ça. Police du doublage. Vous avez mis le jeu en anglais, je vais devoir te verbaliser. Ah, t'aimes pas que ce soit en anglais, hein? T'es de ceux qui préfèrent le Jap. Et où la Nemoculus? Je l'ai pas vu. Ah, il doit être en dessous. Non. C'est pas grave. Allez, on continue. On va à Liyu. Ça te fait toujours bizarre? Ouais. Il y en a beaucoup qui me le disent. Mais c'est vrai que c'est un jeu Jap, donc dans la logique des choses, j'aurais dû. Mais je suis pas hyper fan du Jap. Dans le sens où, vu que je le comprends pas, bah, c'est un peu chiant de lire tout le temps. Un jeu chinois. Bon bah voilà. Je veux pas tout savoir. Sauf anglais, mais oui, je préfère Jap. Wow, these will come in handy. Aïe, la Nemo il est au-dessus du toit. Et bah, ce sera pas pour moi. Hop. Ah bah, on a un petit point de sauvegarde en plus sur la route, ça c'est pas mal. Je crois qu'il faut que je me mette un peu plus haut. Pour pouvoir l'atteindre. Ah non, ça va. On est pas loin là. Bah on est à Liyu du coup. 256 mètres. Donc je pense que ça c'est la ville de Liyu. Attendez. On regarde sur la map. J'ai pas fait gaffe. Yes, on y est. Et bah nickel ça. Bah c'est parti, on va continuer l'histoire. C'est joli. Là, franchement, on a vraiment changé de décor. Hein. Rien à voir avec mon stat. Hein. Bet you can't keep up with me. Je t'ai déjà regardé, je me pose la question, tu ne joues pas hors stream? Si, j'ai un peu joué hors stream. J'ai commencé à jouer hors stream pour m'augmenter de niveau d'aventure.
tranquillement sans faire les quêtes d'histoire. En tout cas pas les quêtes principales. If you want to find the Geo Archon, this is the only chance you'll get all year. Guess it's a good thing Venti brought it up earlier. Otherwise, we definitely would have missed this year's Rite of Dissension. Might be today, might also be tomorrow. Look, we're already in Liyue, so let's go ask some of the locals. Oh, right. About the Geo Archon, Morax. Did you know the Mora that we use is named after this god? But it's seen as impolite for people from outside Liyue to refer to the Geo Archon by that name. So we should refer to the Geo Archon by the name Rex Lapis, like the people of Liyue do. Okay. Parler aux habitants. Allons-y. Rite of Dissension. Oh yeah, that reminds me. Isn't that today? Once a year, Rex Lapis bestows upon us his divine prediction, guiding us on how to run Liyue for the coming year. Last year, it was the Yuhang of the Liyue Qixing that was given the honor of asking for the divine prediction. Ooh, Paimon knows this one! Mondstadt is to freedom as Liyue is to contracts. Liyue has a strong focus on business and trade. The Liyue Qixing, the seven leaders of the seven enterprises of Liyue, hold true control over Liyue. Faut parler aux habitants, heureusement c'est pas Paris, sinon tu serais bloqué dans le jeu. Ah ouais, ça aurait été très très long, je pense. That's what foreigners always say. But true control over Liyue will always be held by Rex Lapis. Ouais, alors, il m'aurait envoyé bouler. Ah, j'ai pas envie de te causer. Les Parisiens, ils ont vraiment une sale réputation. Pourtant, ils sont pas tous comme ça. The Qixing is comprised of mere mortals. Rex Lapis is a god. Mondstadt's god is nowhere to be seen, whilst our god is forever with us. Stay in Liyue long enough and you'll see. Given that you just left your godless city, it's time you experienced what it's like to be in a city whose god has walked with it through all of history. Ceux qui ne sont pas comme ça ne sont pas de Paris. Possible. C'est possible, je sais pas. Oh, are you also foreigners here for the Rite of Dissension? To think I've lived in Liyue all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, locals never visit the tourist spots. I wish you well on your travels. Liyue always welcomes you. You too wish to bear witness to the Rite of Dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, how could I not take interest in Liyue's most important business trends? The 17 predictions given last year made more than a few ripples throughout the industry. What's more, there's been a rumor going around that the Tianxue herself, Ning Guang, has been acting secretly in the shadows. She wants the rocks created by Geovision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal stuff, that is. To be on the pulse of the predictions and the market is what makes this harbor what it is. Among the seven, Rex Lapis is the oldest deity. His keen sense of strategy is well trusted among his people. Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference in making your fortune. Fortune? So where can we see this Rite of Dissension anyway? You're not at all close.
Not to mention that if I gave you directions, as foreigners, you'd get lost along the way. So better to head to Yujing Terrace, to the high ground. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best place for trying to communicate with deities, no? Auto-configuration is an essential function. Rituel de la descente, rendez-vous à la terrasse. C'est pas par là. Eh, ils me font pas le tracé par terre là? Oh. Oh, c'est quoi ça? Ok. Tu prends une petite photo? Ah ouais, mais ok. Je pense pas que ce soit si compliqué pour aller en haut. Je me complique la vie en tout cas. J'ai pas compris où était le passage. Your first time in Liyue? Actually, it's my first time to see the Rite of Descension too. Il y a un bouton pour afficher le tracé. Ouais, c'est le bouton V, mais là, je sais pas, il voulait pas me le mettre. Donc bon bah, j'ai abandonné et j'ai pris un autre chemin. Ah, look, that's Miss Ningguang of the Liyue Shixing. Only those who have control in Liyue can preside over the Rite of Descension. Oh yeah, not sure if you knew, but most of the Adepti appear in the form of various beasts. I heard that when attending these kinds of formal occasions, Rex Lapis himself appears as a celestial cross between two of Liyue's ancient mythical creatures. Ah, sorry, I shouldn't interrupt your wish. Please, take this. Faites que l'archon, je sais plus comment on le dit, c'est pas grave. Géo m'éclaire sur les décisions à venir. Ah, j'ai mon gilet qui frotte sur le fil du micro. Voilà. Alors. Et il y a là-bas. Pour faire un deuxième vœu. Con, d'accord. Oh, you also want a little Adepti luck too? Seems you know a lot. Making a wish during this time is sure to get you the blessings of both the Adepti and Rex Lapis himself. I've already made my wish, so you can take this. Great! Thanks! J'espère retrouver mon frère bientôt. On verra. Mais je pense qu'on va le croiser dans pas longtemps, je sais pas pourquoi. Qu'on l'a croisé une fois à mon stade. Great! Now that we're all done with the wishing, guess we can just wait here for things to get started. Hmm. Who knows how long that Miss Ningguang lady is gonna take? Mm-hmm. Ah, je suis en train de reculer. Vous attendez patiemment le début du rituel. Wow, look at all the people! We gotta get up front. We can't see Squad back here. Oh. The hour is upon us. Hey.
Rexlapis has been killed. Seal the exits. Putain, c'était souvent. Oh, bah merde alors. What's going on? Did she just say Rexlapis is... The Geo-Archon is... dead? Oh no! The Millilith! Looks like they're nabbing suspects who got too close. Paimon's freaking out! The killer is amongst us! Wait, we got close. Are we suspects? Malheureusement, oui. Wait, where are you going? C'est la divinité que nous avons affrontée avant d'arriver dans ce monde. Il ne faut pas qu'on m'attrape. Bon, je pense que c'est ça. Il va falloir que je cours là. There's a whole bunch of soldiers out there too. You're right. Oh purée. Ah mais non, mais c'est pas possible. Ah. Voyons. J'avais pas capté que. But can we even get out of here? Ils sont partout. Ok, j'ai réussi. Oh la blague. They're here. Arrest them. There's nowhere to run. Hey girly, hold still. Quoi? Oh, sympa. Stop! Stop! Come with me. So, are you buying or not? Paimon's exhausted. So insensitive. You have no idea just how tiring floating around. Wait. Exactly. Call me Child. Child? What, so we're supposed to dote on you? No, no, not at all. It's an alias of sorts. In Mondstadt, I don't suppose you came across a Signora by any chance. Ah, je restais une nana, Signora. Signora? Child? You're Fatui, one of the Harbingers! Oh, no. Don't worry. I'm not looking for a fight. Signora gave you quite the bad impression, huh? Pff, that woman. Can't say I'm a fan either. Okay. Right. Let's forget all about her, shall we? I'm here to help you. What? Yes, help. I'm not a bad guy. Oh, okay, perhaps I'm kind of a bad guy, but I'm not here to give you any trouble. Would it be too much to ask for you to keep the sword sheathed? Elle l'a pas dans la main. I thank you for your knightly nobility. I heard of your deeds in Mondstadt, so I couldn't help but notice you during the proceedings back there. And because I had my eye on you the whole time, I know it wasn't you. Someone else was clearly behind it. But, regrettably, given I'm a Fatui envoy from Snezhnaya, there's no way I'd be trusted after something of this magnitude. The ruling Qixing of Liyue has always been overly suspicious of us. Well, can you honestly blame them? Guess I shouldn't try to deny that. Okay, sure. Maintaining a distance between strangers is probably a good idea. Either way, I'm already used. But right now, if you want to clear yourselves of any suspicion, you need to get yourselves to Northland Bank. Staying here isn't an option. As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Ok, bon. Bah, sacré début à Liyue. Ok. Du coup, il me recherche encore ou... Non. Non. Ok. Bon, ça va alors.
Ah, c'est en haut. Ah. Northland Bank. Correct. This bank was opened here in Liyue by Snezhnaya. Though everyone knows Liyue is the most enterprising in Teyvat, Snezhnaya is not short of change either. Yeah, well, poorer nations don't seem the type to have diplomats that come around acting the way yours do towards the Knights of Favonius. Here, let me give you this. This is a... I'm not sure exactly. Sometimes all money can buy is things, and not a name for oneself. All I know is that it's a sigil. A sigil to keep the mighty and illuminated Adepti from bringing harm to you. Adepti? If you head north from the harbor, then west from Gweili Plains, you will eventually reach a stone forest known as Dweyun Karst. The people of Liyue believe it to be the abode of the Adepti. Legend or not, they believe it. As such, offerings to the Adepti are made at its borders. Nobody dares venture in. But I have no need for believing, not when I know for a fact that the Adepti truly exist. Hate to admit it, but your Fatui intel seems all right. But why would we go looking for Adepti anyway? Oh, my little friend. There are plenty of reasons mortals seek the blessings of Adepti. Money, health, love. But you... you will go for justice. Justice? The Chi Sing will already have dispatched the Millilith. They'll be seeking out the assassin from amongst the onlookers. But how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Or to hide something else. Hard to say. Even now, the Northland Bank wouldn't be able to hold the Millilith off for long, but the Adepti can clear you of any wrongdoing. Liyue was founded by the Geo-Archon and the Adepti. Of course, it was built by force. I says the Archon. Look for them, and be faster than the Chi Sing's messengers, so you may give your version of events first. If there is anyone that can help you in Liyue now, it can only be the mighty and illuminated Adepti. Okay. Bon. Talisman de permission, ok. Donc. Pourquoi je dois aller là-bas? C'est si loin que ça? Mais je vois le nombre de mètres, ça me paraît trop bien. Ah, ça me fait sortir d'une autre... Enfin, oh. Ok. Je vais aller déverrouiller celui-là. Hop. Bon, bah c'est parti, hein. Comment je fais pour monter là-haut? Là-bas. Ah, hop, je vais prendre celui-là. Je ferai les quêtes secondaires, bien sûr, certainement à part, je pense. Histoire d'avancer un petit peu et pas... Enfin, ici, c'est vraiment... Enfin, le stream, c'est pour vraiment avancer l'histoire. Avoir le détail. Les quêtes secondaires, bon, ça n'a pas plus d'importance que ça. En tout cas, ça donne pas beaucoup d'informations. Utiles.
Alors je vais noter qu'il y a un point d'exclamation ici. Hop. Non. 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 Ok. Chercher l'Anémoculus. J'ai même pas fait gaffe s'il s'appelait aussi Anémoculus ici. Je pense que oui, mais. Bon, je pense qu'il faut que je les tue pour pouvoir avoir. Bah. C'est quoi ce bordel? Il me tire des choses, moi je peux pas. Ah! Évidemment! Moi j'ai cru que j'allais me casser la gueule. Ah mais qu'est-ce que je fais? Ce chat quand il grimpe là partout là. What's the hurry? Cool it. Bon bah il fait qu'à descendre. Il est remonté? Ah non. Freeze! Ah! What? Non mais il traverse le mur, elle a triché! Je suis bloqué. On va recommencer par l'autre côté. Hein. Hop. Je prends ça aussi. How fortunate. What's the hurry? Cool it. Don't get frostbite. Nickel. Non, c'est ça. Ok. Ah bah nickel. Très bien. Ah mais il y en a combien là-dedans? Ah. Don't be such a brute. Ah, il y en a un qui est pas mort. Et bah voilà. Réponse de la France. Non. I'll keep this par rapport à la triche. Le fait que ça a dépassé. Trop bien la dose de coffre, eh. Tac. Wow, nickel. These will come in handy. Donc, Ah, il y a un point de sauvegarde que j'ai loupé. Ah non, je l'ai pas encore vu. Il est où? Il doit être tout là-haut. Bon, j'irai plus tard. Ah! Elle grimpe n'importe où, vraiment. On dirait un ancien temple.
pensais qu'il allait y avoir du monde. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi c'est coloré sous moi là? Si je sors? Qu'est-ce que c'est censé activer? J'ai mangé trop de Nutella. Ah, en fait, c'est parce que je suis trop lourde, c'est pour ça qu'il s'active. Non, je comprends pas pourquoi. Est-ce que ça fait apparaître quelque chose? Non, je pense pas. Je vois pas. Non, c'est pas sûr. Ah, là ça disparaît. Faut que je me place à un certain endroit. Là ça disparaît pas. Quand je me mets là, ça disparaît. Quelqu'un aurait une idée? C'est une énigme, mais je la comprends pas. Dodge this. You. Pas de backseat. Hein? Oh, si, aidez-moi. Please. Ou alors faut que je vole et que je pète là-dessus. Change le voyageur en géo. Ah. Ok, bon. Bah, je vais l'enregistrer sur la map. Hop, il est là. Ça va être, on va dire, ça. Non. On va mettre défi, vas-y, c'est pas grave. Hop. Et bah, je reviendrai une fois que j'aurai activé la statue des 7 là-bas. Des pierres à casser. Ah mais c'est des méchants que je suis en train de... Freeze. Dodge this. Get him! Let it rain! Try not to enjoy this too much. Keep come a little. Wingblade! You're in for a little shock. Reste quelques-unes, il en reste deux à péter. Tu peux faire une attaque plongeante avec une épée pour casser leur bouclier. Ah bon? Et ça suffit pour casser le bouclier? Je pensais qu'il fallait vraiment taper dessus. Donc en un coup, en faisant une attaque plongeante, c'est censé casser le casque du méchant. Ok, c'est plus rapide. Bon, bah, je sais rien. Dodge this. Il va où là? Bon, casse-toi. Ouf. Mince. Fascinating. Ouais, on va le tuer quand même, petit ami.
Ah, j'arrive pas à faire mon attaque conjointe. Dodge this. Voilà. Donc, on en était à la statue des sept là-haut. Du ravitaillement un petit peu sur le chemin. Rien au passage. Ça par contre j'ai pas compris ce que c'était ici. C'est un fossile que je peux examiner, mais là j'y arrive pas d'ailleurs. Ah si. Ah si, ça me donne des sauts géo. D'accord. C'est une nouvelle pièce. Je sais pas. Attention, nouvelle partie de carte. Enfin, de map. Yes. Ça s'agrandit un peu à peu. Ah si, j'en ai un. Ouais, ça sent rien. Hop. Tac. Ah oui, j'ai dit il fallait que je retourne là-bas. Ah oui, non. Je la change en géo. C'est ça qu'on avait dit. Est-ce qu'il y a un timing? Non. Ok, donc je l'ai mis où mon truc mon petit point, il est là. Hop, suivre. Je le vois même pas. Être là? Non, ça a l'air d'être ça. C'est plus loin. Ah si, c'est là. Par contre, là, j'ai pas assez de hauteur. C'est quoi ce machin, là? Une belette? Il veut pas mourir. Bah. Il est pas mort. Sur la minimap en haut à gauche. Oui, 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 oui. Je regardais, mais j'avais pas assez de vitesse pour aller là où il fallait. Examine le trou de. Eh, je pouvais examiner le trou? Attends, attends, attends. Ah oui, j'ai même pas fait gaffe. Ah bah où là? Ah mais elle a des... J'ai même pas vu... Elle avait plein de pièces. Ok, donc là... Trop éclairé, là je vois plus la distinction. Donc, je fais ça. Ah! Ok, j'ai compris. Faut que je me bouge d'ici et que je la pète de là. Non.
Tape des animaux et tu seras riche. Bravo la morale. Oh, c'est clair. C'est pas foufou, hein. A reward on the road. J'entends parler. Il y a du monde ici, hein. Bon, enfin bref. Allez, on continue. Je suis bête. Je vais me téléporter à la statue des 7. Hop. Et on va par là. Oh oui, c'est encore loin. Je vais peut-être me remettre en normal, non? C'est peut-être mieux. Mince, c'est pas ça que je vais faire. Comment je fais pour revenir à... Je peux pas redevenir normal? Ah. C'est mieux de rester en géo pour explorer. Attention, il veut pas me rendre mon animal. Ah, oh, il y a une tour. Il va y avoir des ennemis là-dedans. En tout cas, ça me fait pile aller là-bas. Animaux, c'est à mon stat. Donc je peux rechanger que là-bas. D'accord. Faut pas de coffre. Ah! Oups. What's the coolest? J'arrive pas à l'utiliser. Come a little closer. Qu'est-ce que je fais? You? Par contre, je sais pas pourquoi j'avais une bulle autour de moi. C'est quoi ça? Is this an answer from this world? Arrêtez de monter. Oups. Il y a des nouvelles pierres aussi. À chaque fois qu'un géoculus ou Anemoculus apparaît sur la mini-map, il y a un petit son reconnaissable. Oui, c'est vrai, mais je fais pas forcément attention. Alors, ceux-là, je les ai pas encore combattus. Ils me font peur. Je sens qu'ils vont être compliqués, eux. Oh, il m'a vu. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Il est trop rapide. Je peux pas. Pas pour moi. Trop là. C'est trop. Ah mais en plus il y a un truc avec une clé. Hop, je vais le mettre sur la map d'ailleurs. Ici. On va mettre ça. Alors, nous allons partir par là. C'est quoi ça encore? Waouh! Ils sont beaucoup là. Trois grosses fleurs là. Aïe 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 aïe. Je vais me faire défoncer. Oh là là! Oh là là là! Oh!
viennent venger la belette. Attends, je vais essayer. Dodge this. Oh, ils sont durs. Il est où le gros là? Starfall, crumble apart. Ok. Drop. No escape. Cool it. Ah. Oh, so sorry. Oh non, il a repris son casque. Ah. Par contre, la grosse belette, j'ai pas réussi à l'avoir. Elle a redisparu. Ah, il y a un défi là-bas aussi. Hop. Attends. Là. Ok. Après ici. Le défi, je l'avais. Hop, comme ça. Tac. Complexe. Je sens que je vais pas rire dans ce nouveau monde. Comment je l'ai fait celle-là? Oh, je fais presque pas de dégâts. Faut utiliser tes résines pour améliorer tes persos. Mais résines. Qu'est-ce que t'appelles des résines? Je comprends pas. What's the hurry? J'ai pas encore eu cette info en tout cas. Sinon tu vas être débordé en avançant dans l'espoir. Attends. C'est quoi les résines? Et comment est-ce que je les utilise? La map en haut à droite. Là? Non. Deux cents sur 200. Ah. Vous obtiendrez 60 résines originelles après utilisation. Attends. Faut que je fasse quoi? Que je recharge? Touche pas à ça. Mais du coup, ça me sert à quoi? Ça me sert pas. C'est pour récupérer les récompenses des boss et donjons. D'accord. Ah, du coup, il faut que je fasse des donjons. C'est ça que tu voulais me dire? C'est long de monter, hein. Je suis limitée à 200 par jour.
Après, ça dépend le donjon finalement. Il utilise plus ou moins de résine, j'imagine. Ouh, ça c'est trop facile, non? Ah, Géo. Du coup, je sais pas ce que ça a apporté. Il doit y en avoir un autre. Non. Un qui est apparu en plus. Ah, là-bas. Je le voyais pas. Mais ok, va falloir que je fasse des donjons. J'en ferai. Ok, je veux bien. Là. Yes! Je commence à capter hein, le mécanisme. Oh! Oh non! Pas possible! C'est quoi ces machins? Oh non, j'ai horreur de ça. Laissez-moi tranquille! Oh non, j'ai pas attaqué au bon endroit. Over here. Ha. Non. Freeze. C'est compliqué là. Prepare yourself. Ah bah oui, prepare yourself. Ouais. Don't get frostbite. Starball. Now you've got me worked up. Leaving so soon. Je vais mourir. Ah non, fais chier, ça me... You're getting on my nerves. The more, the merrier. Blink. Ah, il me faut chier. No escape. Leaving so soon. Freeze. Blink. Ça commence à être compliqué, là. Oh, j'arrive pas. Qu'allons-nous manger? Ça peut servir ça. Ha! Freeze! Didn't you know how to get me going? Bet you can't go Barret Bunny! Leaving so soon, cool! Let me amuse myself a little. Oh, so sorry. Ah. Ok, ok. Non, je suis en train de mourir. Freeze. Ok. Can't run from it. Blink. Oh, mince, elle est où? Ouais. Elle est où, elle est où? Let me amuse myself a little. Cool. The merrier. You're in for a little shock. Starfall! Ah, ce petit truc de merde là, elle est où? Elle est où? Elle est où?
Ah, elle est sortie. Comme par hasard. Let me amuse myself. Oh, elle est là. Dodge this. Aïe, elle est morte. Just... Oh la vache, c'est archi dur. Je les aime pas ces persos. Ils étaient horribles. Rush les grandes statues, zap les mobs, c'est pas grave. Fascinating. Ouais. Allez, c'est parti. Moi, je voulais mon coffre. Attends, il y avait pas un truc là Ah oui, là. Je me disais aussi. What's the hurry? Ok, donc là. C'est tout là-bas. Même si je vais plus haut, c'est pas grave. Hop, allez. On va faire comme on peut. Je vais m'accrocher au mur ici. Ça va le faire. En plus là j'arrive dans la zone de la quête. Faut de la patience, hein. Oh, et donc la montagne là-bas, avec toutes les roches oranges. Ah, ouf. Un petit peu de plat. Par contre, elle est où, là? Ça a l'air d'être encore en haut. Ah ouais, c'est quoi ça? J'ai peur de faire une connerie. Quoi? À quoi ça sert? Ah, c'est un chemin. Je vais pouvoir emprunter le chemin? Comment? Oula, oula. Non. Je sais pas. Avec elle? Non. À quoi ça sert? Ah, faut que j'aille. Ah, il y a sa jumelle à activer là-bas aussi, mais. Est-ce que je vais réussir à choper le truc là? Il faut absolument que j'aille à la tour. C'est pas un chemin. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ah, mais il y a un autre truc encore là-haut. Je fais comment pour atteindre les îles là? Celle-là, je pense que je peux pas l'atteindre encore. Ah, quoique. Si. J'y croyais pas. Je pensais qu'elle était trop loin. Et voilà, une autre zone. Nickel. Ça grandit, ça grandit. Par contre, je suis... dubitatif. Je pense que je vais aller activer le truc là-bas. En haut. Comment je monte tout en haut? Ça
Ça me paraît vachement... Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et là-bas, il y a un coffre. Mais j'irai au coffre plus tard. Hop. Pas sur du plat. Ah si. Un cristal. Petit, voilà, ça c'est activé. Ah non, c'est pas une jumelle. Ah, c'était... Attends, je prends mon coffre. I'll keep this close. Ouais, il y en avait des choses là-dedans. Alors, observez la lumière orange. Je peux sentir que quelque chose s'est passé dans le coin. Profitons de la vue qu'on a ici pour examiner quelque chose. On voit même plus le piaf là-bas. Quoi? Ok, lecture. Celui qui monte au nuage à trois reprises devant les montagnes s'incline. Le soleil, la lune et les étoiles brillent et les oiseaux divins envoient un signe. Oh, c'est une énigme! Celui qui monte au nuage à trois reprises devant les montagnes s'incline. Comment je peux m'incliner, moi? On peut pas s'accroupir là-dedans. Je sais pas. Ouais, Perforas. C'est pas mon truc, les énigmes. Rien, j'y comprends vraiment rien à ces histoires. Ouais, elle non plus. Paimon, elle comprend pas. Ça doit vouloir dire qu'il faut trouver trois oiseaux qui brillent au sommet. Ah, ok. Oui, bah, c'est comme le piaf là que je viens de tourner. Bah, il est où? Je le vois pas. Ah! Ok, donc là on a le premier piaf qu'on a activé. D'ailleurs, le deuxième, du coup, il faut suivre. Il apparaît par là-bas. Ouais, il y a une étoile qui est apparue. Et la dernière étoile est là-bas. Ah ouais, mais carrément. Je pensais j'y vais d'une traite là. Allez, on essaye. Ouais, Paimon, elle voit que par la nourriture. Et non, j'y vais pas d'une traite, effectivement. J'arriverai même pas à la moitié de la montagne. Ah, il y a un point de téléportation. Pour l'activer. Et l'oiseau, il vient d'apparaître. Ce bruit? Oh bon.
ton sang, ça m'a fait peur. Objectif de follower lancé. Nouvel objectif d'abonnement lancé. Ok. Putain, ça m'a fait flipper. Tu m'y attendais pas. Ah, on vient de les débloquer. Génial. Eh ben, c'est top. On est affiliés, ça y est. Petit piaf à faire tourner vers l'endroit là-bas. Non, il veut pas. Ah si. Les bits sont toujours bloqués. Bah, ce sera peut-être pour le prochain live, je pense. Je sais pas. On verra. Hein. Donc là-bas. Et le dernier, je crois qu'il était par là-bas. Pourquoi on le voit pas? Attends. Là. Pour moi, c'est là-bas. Mais il l'affiche pas. Bon, c'est pas grave. Son... du coup, parce que là, si je vais là-bas, je pense que ça va pas être facile. Puis au pire, je me téléporterai pour retourner vers le. Ah, ça y est, elle est apparue. Ah non, c'est un anémo qui est apparu. C'est quoi ça? Il y a une plante bizarre là. Attends. Ah non, ouf, j'ai failli louper l'anémo, je l'avais pas vu. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah, mais non, c'est quoi? Attends, tu vas me dire ça, tout ça pour ça? Alors, du coup. Pourquoi je vois pas le piaf? Ouais, c'est par là. Jamais le premier abonné. Ah bah merci pour l'abonnement. Trop bien. Le tout premier abonné de la Gata TV. Monsieur Spé, artiste de la chaîne, la nouvelle mission vous attend. Eh oui. Tu vas avoir du boulot, Spé. Ah, ça c'était pas prévu. I'll keep this close. Je me casse. Moi, je veux juste monter. Et qu'on me fiche la paix. En plus, il y a un téléporteur. Je sais pas si ça va le faire. Il y a une route pour monter. Ah, bah c'est pas l'eau. J'emprunte une autre route. Bon, arrêtez de jouer les Spider-Man. Ouais, c'est plus sympa, hein. Non, en vrai, c'est long d'escalader. De toute façon, ça va pas le faire. Là. J'arrive à trouver un petit peu de plat. Apparemment, ici, elle devrait se mettre debout. Et elle se met pas debout. Mais elle est trop con. Ah, si, quand même.
est reparti. Oh non, je suis pas bloqué. Ne pas bloquer. Ah bah ouais, non. Je sais pas. Ok, c'est bon. Par contre, il y a la dose d'animaux, là. J'ai Oculus, pardon. D'après ce que j'ai compris, c'est pas les animaux ici, c'est bien des Géoculus. C'est trop bizarre la pierre orange. Je peux faire quelque chose avec ? Non. Yes ! Hop là! Il y a un animal là-bas, ok, mais c'est pas ça que je cherche, moi je veux mon piaf. Pourtant, je pense que c'était bien ici. Étrangement, je le vois pas. Parce que là-bas, là et là-bas. Salut Blitz, bien sûr que je me souviens de toi. T'aimes bien les petites têtes de chat. Bon, et eh ben je vois pas où est mon autre piaf. Il est où? Ah, il s'est pas. Il va où là? Genre, il me fait chier à aller voler. Oh, je me suis loupée. Eh ouais. Ça va et toi? Hop. On va monter, hein. Tiens, on va aller par là. Chercher Géoculus. Ouais, Cloud est très insistant. Je pense que... Je sais pas si on peut le bloquer. Comment les gens, ils arrivent à trouver mon nom? Sachant qu'il faut marquer l'UID de la personne qu'on veut rejoindre. Eh oh, mais il me saoule. Oh, il y a un animoculus juste en dessous. Donc lui, par contre, il va où? Parce que l'animoculus, je peux le récupérer après. Ah bah il descend. Tu sais peut-être pas, mais tu es en live. Oui, je sais que je suis en live. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, pour me trouver. Ah, exact. Il est parti où le machin bleu? Il est descendu tout en bas? Ah oui. C'est un méchant ça. Ah non. I'll keep this close. Alors, map. Nous allons aller vers. Hop, la statue des sept. Il y a l'UID en bas, va falloir que je te fasse un beau truc pour le cacher. En bas. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe qu'il apparaissait. Ouais, exact, va falloir le cacher parce que ça va être chiant sinon. Parce qu'en plein live de recevoir tout le temps des demandes, c'est un peu embêtant quoi. And who might we be? Those that dare enter Jueyun Karst.
A sigil of permission. Many a season has passed since one was last in the presence of such an item. He before you is the mighty and illuminated Adeptus, Moon Carver. Speak, traveler. What business have you here? Actually... It's the assassin! They dared to flee here to Juyayun Karst. Je crois vraiment que je suis l'assassin. En même temps, elle a fui comme une con. Après, il y a une liste aléatoire en multijoueur où tu peux cliquer sur tout le monde. Oh! Ah ouais, sir, tout pour embêter le monde, quoi. We've already stepped too far into Juyayun Karst ourselves. We... Ah, there's no choice. Apprehending the assassin is top priority. We must press on. Il va falloir que je me bats avec eux, là. Disturbing our borders. See them gone. One will not have interruption. Ah. Personne ne m'embête jamais, moi. C'est ça, être une star. Moi, je suis pas une star. Mais bon, c'est vrai que les gens, ils veulent jouer avec moi. C'est pas mon but à moi. Two arms. Attack. Cool it! This moment will be frozen in time. Drop! Crumble apart! Wow, c'est trop bien. J'adore mon pouvoir en fait. Le géo est trop bien. Take the target alive! Shake! Dodge this! Get. Hit! Let's fight. Attack! Ils ont récupéré de la vie. Go, go, Baron Bunny! Let it rain! Starfall! So? Crumble apart! Beaten! Drop! Who goes there? Take the target alive! Mais il meurt jamais ou quoi? Ils sont combien? Ah, il faut que j'en batte 20! Ils sont 5? Crumble apart! Oh, so sorry. Come a little closer. Comme ils sont bêtes, ils vont se trouver ma petite poupée là. With the triad! Shake! Starfall! Come a little closer. You're in. Je trouve que mes armes montent vachement vite en fait. Freeze. Come a little closer. Attack. Bastard. Surrender and be gentle. Go, go, Baron Bunny. No escape. Ah, pourquoi j'ai pas pu utiliser mon A? Je crois que j'ai brûlé. Oh, so sorry. Starfall! Retreat! Ah, c'est tout. Ok, bon, ça va, c'était simple. Alors. C'est qui ton droïde préféré? Le mien, c'est faux. Vous êtes de la même famille? Ouais, des pièces détachées. Excusez-moi, nous avons été importunés. Wow. Preposterous. Preposterous! The Liyue Qixing. Utterly disappointing. How could someone possibly assassinate Rex Lapis during the Rite of Dissension? And then place suspicion upon the attendees? Traveler. Of the unjust accusations placed upon you, one has become aware. The mind knows its answer. Though one must consult with one's fellows,
lest the mind be misguided. Go, take your sigil of permission. Carry with you a message. Mountain Shaper and Cloud Retainer can be found here. Only fate will decide if you shall find them. Only fate. Okay. There exists a conqueror of demons, a guardian Yaksha. Go to Wangshu Inn. There you shall seek him. Franchement, j'adore la séquence Liyu. J'aime trop. Donc, faut juste que... Alors, ici... Non, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Hop, ça c'est la petite énigme du piaf. Non, c'est pas ça. Je crois que si, elle doit être là. Ok. Je dois peut-être la voir. Hop. Allez, en face de moi. Ouais, donc c'est bien ici. Ok, très bien. Hop, on va à la suite. C'est quoi ce machin? C'est un ennemi? Non. Ah, ah si, finalement. J'adore mon pouvoir bio en fait. Pourquoi il est pris lui? Have mercy, O mighty Adeptus. I beg you, show mercy upon me and my brother. Spare our lives. Who are you? What's going on? We asked you first. Oh. You enjoy safe passage in Joyun Karst. It can only mean one thing. You must be Adepti messengers, sent here to rescue me and my brother. What is he talking about? Oh, have mercy, mighty messengers of the illuminated Adepti. I beg you to save us. My brother and I, we only came here because our family is poor, and we heard tell of treasures hidden in the amber of Mount Hulao. That was stupid of us. But all we wanted to do was find enough treasure to sell and support our family. We followed the path up the mountain, but suddenly, the amber, it swallowed up my brother Li Dang. I ran away and made it this far before it dawned on me. We were trespassers in the abode of the Adepti, and this was our punishment. I had no idea how to rescue my brother, so I just started praying for the Adepti to have mercy, right here on the spot. And now, at long last, two messengers come to my aid. What? We're not Adepti messengers. We just want to find the Adepti like everyone else. No, 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 you must be messengers. You have to be. I have no idea which amber trapped him. Please, you have to rescue him. Thank you. Thank you. Oh, mighty messengers of the illuminated Adepti. I promise that we will never be so foolish again. Okay. Paimon was gonna ask him about where to find the Adeptus, but he seems pretty one-track mind about rescuing his brother right now. Hmm. So, he said that Li Dang got trapped in amber somewhere on Mount Hulao. Voilà. And that they were following the path the whole way. Ça a bien fait descendre sa vie. So let's follow the path down from here and make sure to be on the lookout for amber on the way. Planté dans l'arbre le truc. Come a little closer. You're in for a little shock. Oh my.
Ah non, c'est pas lui. C'est lequel qui... Si c'était pas censé. Oh, j'arrive pas à les péter. C'est pas elle. Moi, c'est pas elle non plus. Ah si. Ah si, c'est le feu. Oh, je m'en rappelle plus. Ok. Hop. Je pense que si je pète tous les trucs orange, ça va me libérer un truc. For a little drop. Ok. Et le dernier. Oh, j'ai pété d'un coup. Dodge this. I'll race you then. Hey, go go Baron Bunny. Drop. Ah, j'arrive pas à le... Come a little closer. Come a little closer. Cool it. Bim. Ah. Oh, il m'a cramé. Ah non. Ah, ça a rien libéré. Pourquoi je marche? Ah. Ok. Mince. Je pensais que ça allait libérer quelque chose, mais bon. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Briser l'ambre le long du chemin. Freeze. J'ai fait mon A. Je descends encore. Le long du chemin. Il est où? Ah, un coffre. Ah, elle me saoule à monter à chaque fois. Dodge this. Oh, mais mince. Freeze. Allez, viens jusqu'ici. Parce que si tu tombes, tu vas me sauver. Dodge this. Voilà. Oh. Mais il est là. What happened? You rescued me. Thank you. Oh, and have you seen my brother? His name is Li Ding. We were climbing the mountain together. I just hope he didn't get trapped in Amber too. Phew. So he's safe then? Oh. Oh, thank you. I will head up to find my brother now. Here's hoping I don't run into any more Amber on the way. Ok. Bon bah ça va. Ah. Je voulais juste avancer. Non, c'est pas ça. Another target tracked down by Outrider Amber. En fait, il y en a plein des trucs orange. Je sais pas si je les casse tous, si ils me donnaient quelque chose. Ouais, je verrai ça. En dehors du stream. Thank you for rescuing my brother, oh mighty messengers of the illuminated Adepti. What? No. I mean, like everyone else, we've heard that there's an Adeptus living in Mount Hulao. But regular folks like us would never have the chance to meet them. No way. Unlike you guys, you're Adepti messengers, so it's a whole different story.
Anyway, we have trespassed in the realm of the Adeptus for long enough. We should get going. Thank you, mighty Adepti messengers. Yes. Thank Boy, it'd be super helpful if we actually were Adepti messengers. Cause it seems like this Adeptus has got a real temper problem. But it's not like we've done anything wrong, so... Who dares trespass on my mountain? Who? Bah, pourquoi ça a passé? J'ai même pas appuyé. Foolish mortal, come forth and receive your punishment. Ah. Mais pourquoi ça passe? J'ai pas un problème d'espace quand même. C'est trop bizarre. You intrude upon the sanctity of Mount Hulao. You destroy the amber of my mountain. And you free a thief whose freedom is not yours to give. Hey, il veut pas que je casse son ombre. The thief's ignorance was an affront to the Adepti. But your actions are an abomination of the highest order. Wait, we can explain! Mooncarver. Trusted a mere mortal as his messenger? Is this a sigil of permission? One is in the beginning, Rex Lapis cast them for the mortals with his own hand. Few were made then, and thousands of years on, fewer still remain. Speak. One shall listen to the matter which brings you here. Then one shall verify the truth thereof. You would be wise to speak the truth, for Liyue is not so far from here that one would be easily deceived. Vous expliquez les événements et qui se sont déroulés au Rex Lapis. Assassinated? Oui. At the rite of dissension? Oui. What mortal in Liyue, nay, in all the world, would conspire to commit such foul treason? Or perhaps the more pertinent question is, what power in this world could aspire to achieve it? Rex Lapis charged the Adepti with the protection of Liyue, and we have always honored this duty. As the people have prospered, so have we gradually withdrawn into the mountains. Indeed, this was a gesture of goodwill towards humanity. But now, alas, Rex Lapis, gone. Traveler, of the matter you have relayed, one has become aware. One now knows why Mooncarver has sent for us. Once one has dealt with certain matters here that require my attention, one shall convene with the other Adepti. Paimon can! Adepti always have magical powers in storybooks. Seems it's true in real life, too. You know, like how grass is actually Adepti hair, and rivers are actually Adepti saliva. There must be something similar going on with the amber. Your nonsense knows no bounds. This amber is produced by a flower that one has planted here, called the karst crawler. The majority of the plant is hidden underground. When stepped on, it produces amber to trap the invader. Ah, okay. After taking up residence here, one planted many karst crawlers to ensure that the tranquility of the mountain would remain undisturbed. Over. Oh, so the amber is alive? Correct. Thus, one may not leave this place in its current state, for fear of the risk to innocent lives in one's absence.
One will depart as soon as one has attended to this matter. One trusts that the manner of your departure will be swifter in nature. Alors, les droïdes coins sont en place. Trop bien. Je suis en train de regarder à quoi ressemble. Sympa. Sympa. Donc, faut retourner par là. C'est parti. C'est tout en bas. On va y aller en volant. Oh, une fleur. Il y a un petit tourbillon dans l'eau. Hey, who put this table here? They've even set it ready for dinner. There's a wine jug and everything. Ooh, they even have the guests' names carved into the seats. Here sits Retainer. Here sits Guizhong. Here sits Rex. Maybe Rex is short for Rex Lapis. But Paimon has no idea about Guizhong. Guizhong. As for Retainer... That's it! When Moon Carver was going through the names of his Adepti buddies, he said there was one called Cloud Retainer. So this must be where Cloud Retainer and the other Adepti have their dinner parties. How about we cook up some extra special dishes for the Adepti? We're sure to get Cloud Retainer's attention that way. But what do Adepti even eat anyway? Paimon has no idea. People must make offerings here all the time. Guess all we can do is look around the area for any leftovers. Maybe that'll give us some ideas. Do you think maybe it's at all possible that the Adepti might like to try some sticky honey roast? Et voilà, reparle de nourriture. Elle est pas possible, Paimon. Tout le temps qu'elle parle de nourriture. Tant qu'elle y est, elle peut s'asseoir à leur table. Ouais, bon ça c'est ce qu'elle a dit en fait. Ok. Donc, il y a des petits cercles autour du lac à aller voir. Ah, c'est là. Moi, en tout cas, j'adore les coins. Les droid coins. Les petites pièces, elles sont trop mignonnes. Avec la demi-tête de droïde. J'adore. Ah, hop. Non, je peux pas prendre le livre. Someone has definitely cooked here before. Do you think they were making an offering? Looks like they didn't use all the ingredients. Let's see here. We got some snapdragon, some lotus heads, some tofu. Whatever they were cooking, it sounds complicated. Hey, look over there! They left some notes too! Yup, it's a doozy. Paimon's not surprised they had to write it all down. It's a lot to remember. We should read it carefully. Maintenant on a nos droid coins. Que tu sais les coins que tu entasses
que tu cumules en regardant la vidéo en stream. Pour pouvoir utiliser quelques actions qu'on va créer d'ailleurs. T'en penses quoi de la petite pièce en bas à gauche du chat? C'est ça la question. Les points de chaîne. Excuse-moi, j'ai pas encore tous les termes. I'll race you there. Nice. Trop bien. Ah, j'ai un animoculus quelque part. Il est où? Bet you can't keep up with me. Non, c'est pas une roche. Ah, I'll race you there. Bim. Allez, on y retourne. Ah, ça c'est un défi. Alors, on va l'indiquer sur ma petite map. Défi. Hop. Non, c'est pas ça que je vais faire. It's very clean here. Whoever cooked here last obviously likes to keep things neat and tidy. Paima bets they were making an offering to the Adepti. Looks like we got us some matsutake and some raw meat. And what do you know? The recipe is right here. This chef was a super organized person. Au suivant. C'est quoi ça? Starfall! Ah, trésor d'Erwin, j'avais juste à faire F. Toi qui lis ces lignes, pars d'abord à la recherche des stèles érigées dans la montagne. Ensuite, seulement, reviens où tu te trouves. Les stèles de la montagne, dans l'ordre, il te faudra visiter, alors seulement à tes yeux apparaîtra mon dessin. D'accord. Pourquoi pas? Je vais marquer que j'ai une petite énigme ici. Hein. Hop. On va mettre ça. Ok. Ah. Et paf. Ah non, raté. Oui, je l'ai eu. Il a fait un petit couinement, le pauvre. Wow, the ground is covered in flour. What a messy chef. Seems there's meat in this pot, but Paimon can't tell which kind. Do you think whoever cooked this made it as an offering to the Adepti? Paimon can't quite imagine an offering made of flour and meat. Huh? Our messy chef dropped a piece of paper on the floor. Ew, and there's a huge footprint on it too. But footprint aside, maybe it has something to do with this mystery dish. Allez, on y retourne. Ah. Y a le petit truc là qui va me donner un coffre, je pense. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Bim. Opening a chest is like unwrapping a gift. Du coup, c'était... Oh, ah oui, non, ça c'est moi. Soupe aux perles. Ah.
Faut que tu fasses de la nourriture. Oh. Ah, ils veulent tous un plat spécifique. Ah. Ok. Ok, alors, cuisinons. Ils ont dit quoi? Viande sautée, viande mora, je crois que ça en faisait partie. C'était marqué quoi? Ah, j'en avais deux. Ok. Soupe aux perles et aux jades. Et rouleau de viande matsuke. Donc. Non. Viande mora. Ça. Ok. Voilà. En voilà un. Après, on veut faire lui. Non. Celle-ci. Confirmé. Et le dernier plat, rouleau de viande au matsu. Ok. Et normalement, je peux leur donner la bouffe. Ils vont être contents. Je peux maintenant entrer dans le dans la grotte. Bon, je vais faire ça et après on s'arrêtera pour le live. On aura fait quand même une bonne séquence. Ah. Allons-y. Ah bah c'est le jus. Ah ok, d'accord. Pourquoi c'est... Ah mince, c'est en haut qu'il faut que j'aille. You can't keep up with me. Ok, c'est parti. On monte un chouïa. Ah, oh, évidemment. Je me suis retrouvé. Oups, pardon. Je me suis trompé de tuche. Oupsie. Mais c'est quoi ça? Ça marche pas. Ah, oula. 18 mètres en bas. Bah, c'est quoi ce bordel? Get ready for the gliding champion of en haut, 15 mètres. Bah, je comprends pas. Faut que je fasse le tour. I'll race you there. Attends. Si that's je fais more v... like it. Ouais, faut que je fasse autour. Non, je veux pas de vous. Bet you can't keep up with me. Oh. Et bien sûr, j'ai plus d'endurance. Avec ça m'arrive maintenant. Ce bordel. 57 mètres. Attends. Pourquoi? J'aurais dû partir de l'autre côté. Je sais pas. Attends. Qu'est-ce que j'ai branlé? C'est au milieu. Comment je peux aller au centre d'une montagne? Souffle nuage. Mais il est nulle part. Il fallait que j'aille dans le temple. Mais non, mais non, c'était pas le bon niveau. Il y a un trou en haut. Non, je suis montée tout à l'heure en haut. Ici. C'est pas possible. C'est quoi ce bordel?
que je fasse le temple. Pourquoi il me dit d'aller en haut? Je peux pas... Ah, entrer dans la demeure. Non, je n'étais pas assez approché. Niveau d'équipe recommandé 30. Je crois aller niveau 30... 40, mon équipe. Bah, ce que je vous propose, c'est que je finis par ce donjon et après, on se souhaitera une bonne nuit. Commencez. C'est parti. La petite musique. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience with the Adeptus whom you seek. A little shock. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Tu vas où, toi, le gros? Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Let's spark things up. C'est quoi ma petite bulle là autour de moi? Mince. You're in for a little shock. Starfall. Je l'ai tué? Je l'ai tué. Il y en a combien là? This moment will be frozen in time. Freeze. Attendez. Hop, bim. Voilà, moi. Drop. Oups. Ah, mais il y avait un temps. J'avais même pas vu qu'il y avait un temps. Non. Mais j'avais pas vu qu'il y avait du temps. Salut Silex. C'est un bouclier. Ok. Comment tu vas? Oh merde, j'avais pas vu qu'il y avait du temps. Oh non, c'est trop bête. Ok, on recommence. Allez. Oops. Come a little closer. Dodge this. Come a little closer. Don't get frostbite. Shake. Starfall. You're in for a little shock. Surrender and I'll be gentle. Pas du tout ce que je fais comme pouvoir, mais Come a little closer. You're in for a little shock. Ok, il me reste une minute. Come a little closer. Drop. Je peux y aller.
C'est le bordel. Urine. Purée, mais qu'est-ce qu'il fait là-haut, lui? Oh non, mais c'est pas possible. Dodge this. Oh, la blague! Voyageuse géo, pas fou, garde-la en animaux. Un peu de temps, enfin dans le live, on m'a dit de la garder en géo pour Liu. Bah écoute, ça va, oui. Électro contre électro, oui, effectivement, c'était pas la meilleure des solutions. Tu changes le pouvoir de la blonde, ça sera plus simple. Ouais, je sais. Et je pense que ça va finir comme ça. Et bah, je pense que... Pour Liu, pas le donjon. Ah oui, ouais, ok. Bon bah, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Ou alors... Bon, je vais changer vite fait. Je peux changer, ouais. Je retourne à mon stade pour aller reprendre mon pouvoir normal. On va faire ça rapidos. Ouais. Au moins que je réussisse le donjon, quoi. Finir sur une bonne note. Ce serait dommage, sinon. Ok, allez. Rends-moi mon pouvoir. Non, 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 je stream pas jusqu'à 8h du matin. C'est pas mon truc, ça. Je laisse ça aux autres. Attends, j'étais où? C'est lui? Non. Si. Il est où le donjon? Donc c'est pas tout le temps qu'il a fait. Sinon c'est avec un perso Géo. Je suis dévastée. Mais oui. Je suis pas tombée du bon côté. Évidemment. Je suis où? Ah oui, là, c'est bon. Avant le coffre, je m'en occuperai plus tard. Pas que ça à faire. Allez, c'est parti. Attends, est-ce que mes persos ils sont au max? Donc j'ai elle. Bah non, elle est niveau 20 celle-là. Bon, de toute façon, j'ai pas trop besoin d'elle. Laquelle je pourrais prendre? Elle, Barbara, Hydro. Hydro, ça peut être pas mal, je peux les geler. Je vais la mettre dans mon équipe. Comment je fais pour la prendre dans mon équipe? Attends. Ouais, je vais changer là-dedans. Je peux changer ici. Après, faut avancer dans les quêtes. Tu peux aussi up tes persos. Formation rapide. Je veux elle. Non, hop, tac. Je pense que ça peut être pas mal. C'est elle, Shirley? J'ai pas regardé les noms. Au lieu d'Ember, c'est laquelle, Shirley? Elle? La dernière. Elle est niveau 1, je l'ai pas encore augmentée. Ah, c'est pas possible. Attends, on ressort. Est-ce que je peux l'augmenter au moins? Parce que je veux bien, hein, mais... Ok, donc là, elle est là. Élevée. J'ai pu l'élever. Oh, wow. Trop bien. Nickel. Niveau 1, elle va pas aller loin, non, c'est sûr. Priorité, up, elle. Je l'ai jamais utilisée, du coup, comme vous pouvez le voir. Et elle est grave forte. Et bah, je vais pouvoir le constater par moi-même. Et dans un niveau d'aventure, je vais pouvoir la level up encore plus. Hop, artefact. Non, attribut, attends, c'est quoi attribut? Constellation. Non, c'est ça.
Pourquoi j'ai dit constellation d'aptitude ? Je parle d'aptitude alors que... Comment je fais pour sortir ? Ah, là. Tac. Oui, je l'ai déjà utilisé, mais c'était dans un truc là. C'est une toupie de feu qui tourne autour d'elle. Ok. Et bah, on va tester ça. Je ramène ça, hop. Équipé. Ah, mais il les enlève pas les setups. Ok, trop bien. Parce que si je fais ça. Ah non, c'est ça. Ah, mais il m'a. Impossible de kiffer pendant un combat. Bah, elle est pas en combat là. Qu'est-ce qui me pète? Mais quoi? Ça là, ok. Ça là, ça. Et les amis du coup? J'ai rien compris. Ah non, il les a pas mis. J'ai un mec qui... Oh. Voilà, moi. Il me saoule. Attends, faut que j'aille loin. Faut qu'il me laisse tranquille. C'est bon, la musique a changé. Ah là 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 là, tout ça pour ça. Donc, on était pour. Non, pas elle. Attends, allez, là. Hop, artefact. On y retourne. Avec le son, tu dois avoir un petit ami qui t'a attaqué. Ouais. Bah oui, du coup, c'était une petite boule d'eau, là. Ah. Alors, attaque et pourcentage d'attaque. Ça, je veux. Allez, hop. Est-ce que les filtres... Oui. Ils sont toujours là. Équipé. Non, ça, j'ai déjà fait. Équipé. Voilà. Non, non, pas 24 heures de live. C'est pas possible. Faut que je dorme aussi, hein. Allez, c'est parti. On va y arriver. Donc, à la place d'elle, je mets Xiangling. Oups. Et à la place d'elle, je mets l'eau. L'arme aussi, t'as changé? Non, j'ai pas changé l'arme. Bon, déjà j'enregistre ça, comme ça. C'est bon. Je sais pas appuyer sur la bonne touche. L'arme. Parce que du coup, j'ai pas changé son arme non plus à elle, la blonde. Ici. Remplacer. Je sais pas si ça sera utile. Bah si. Parce que j'ai besoin de la glace. Comme ça. Sur les tempêtes, j'utilise la glace, on est d'accord. Je les trempe. Et hop, je les gèle. Et basta. Ils me feront plus chier. comment je fais? Bah, je peux pas filtrer ça. Je veux niveau. Ah non, c'est pas ça. C'est pas grave. Donc attaque, 40. Non, oh, c'est tous les mêmes. 23, m'en fous ça, 23. Pas mal celle-là. Tu les trempes, c'est des biscuits? Oui. Ça, c'est la même. Je pense que celle-ci, elle paraît pas mal. Parce que là, c'est PV. Ou alors P... Ouais, je sais pas. Soit Pampi Noir, soit Albarde. Biscuit bouc papillon. Ça va me suivre tout le long, ça. Je mange des papillons.
Celle-là ? Ok. Bon, bah, hallebarde, c'est parti. Hop. Je renforce. Ouais. Et ben, renforcer. Bah, elle est niveau 13 maintenant. 14. Voilà. Ah oui, et il y a l'autre perso aussi que j'ai pas renforcé son arme. Et que j'ai pas changé d'arme d'ailleurs. Elle. Putain, c'est une sacrée arme ça. Ah, mais elle est niveau 20 son arme. Je l'ai déjà utilisée finalement. Bon, bah alors du coup, c'est bon. Hop, allez, c'est parti. On va essayer. Et si j'y arrive pas, j'abandonne. Je referai au prochain stream. Quand j'aurai passé le niveau 25 d'aventure. Allez, c'est parti. On va y arriver. One senses the presence of a sigil of permission. One knows not why you have come, though the sincerity of your offering is clear. Hence, you shall be granted an opportunity. Find your way through mine abode, and you shall receive an audience to the Adeptus Musae. Je fais n'importe quoi. Cool it. Luba, get them. Je l'ai jeté dans le vide, il est mort. Attends, elle est où mon eau? Putain. Boba! Let the show begin. Dodge this! Putain! Ouais, j'ai failli tomber dans le vide. Je les ai fait apparaître bien plus tôt. Je les ai jetés dans le vide. Oh purée. Prochain stream quand? Dans 30 minutes. Non. La glace contre la glace. Eh, n'empêche, ça a marché. Rotation. Et oui, merci Silex. Je prolonge le stream. Non, 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 je prolonge pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, c'est un petit pont. Look, the platform is moving. So that's what this button is for. C'est bon, je peux marcher dessus? Je peux pas marcher dessus. Je peux marcher dessus? Ah oui, oh là là, j'ai cru que j'allais. Oh, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Oui, je suis une flippette. Freeze. Ah, mais ça les glace partout. Dodge this. Ouh, mais je joue avec le feu moi. Quoi? Ah oui, d'accord. Non mais restez pas par là, venez ici. Freeze. On va faire n'importe quoi quand même. Oui. Il veut pas venir par là? Ah bah oui, viens. Approche-toi. J'ai pas envie de tomber moi. Dodge this. Voilà. Attends, je viens de par là. Il y a un truc par là. Attends. Ok, j'ai rien besoin de tourner finalement. Ils sont tous bons. Bon,
par là, il n'y a rien. Ah, ok. J'arrive à me faire un chemin. Non, c'est pas ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Au pire, avec tous les papillons mangés, tu sais voler? Non, non, je sais toujours pas voler. Non, je suis pas perdue, T'en fais pas. Quoique, peut-être. Pourquoi lui, il est pas bon? There's no way for you to get up there. Where's a wind current when you need one? Un champ de vent. Pardon, j'ai dû crier, je pense. Ça a dû faire mal à vos petites oreilles. Hop là, petit coffre. Ah, faut que je retourne par là-bas. Non, faut que j'aille par là-bas. Mais comment? Comment? Comment je crée un champ de vent? Vas-y, je tourne ça. Je l'ai pas tourné encore, ce truc-là. Ah bah oui, c'est ça. Oh! J'ai trouvé! Oh, je suis la big boss. Ouh là 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 là, ça va pas me plaire. Pourquoi il y a autant de trucs là? Tu vas pas me dire il y a autant d'ennemis que de... Oh. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Par là-bas. Il est bête ou quoi? On recommence. Faut faire dans l'ordre. Il y a un ordre. Oh purée. Comment je vais faire? Nice and spicy. Bah, il avait bien voulu l'autre jour. Tout à l'heure. Faut activer le défi avant. Ah. Autant pour moi. Activer 3 stèles dans l'ordre. En 45 secondes. Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Oh purée, il a pas fait le bon. Faut que je fasse dans l'ordre en plus, mais je peux pas l'utiliser elle, c'est pas possible. Oh là là, j'aurais dû. Oui oui. Je... Droite, gauche et redroite. Mais comment tu veux que j'active les trois en 45 secondes avec une peluche là? Ah non, gauche, droite, droite. Non, du coup c'est par là. On a dit gauche. Mais qu'est-ce qu'il fait? Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. J'aurais dû garder Amber. Ah purée, je peux pas changer mes persos là. Ah c'est pas possible. Ah non attends, c'est ce que je viens de faire. Je peux pas, je vais pas changer. Comment je vais faire? Je m'éloigne, bah oui. Ok, gauche, droite, droite. Allez, on va y arriver. Ah non, mais moi je recommence pas. Hein. Attends. Nice and spicy. Tu brûles que celui-là. Mais non! Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Je sens que. Je sens que ça va être plus long que prévu. Ça, c'est sûr. Ah, moi, je recommence pas, là. J'ai galéré, là, à faire le premier défi. Rien que ça.
le mets juste ici. Comme ça, il va attaquer là, comme ça. Tu restes là. Voilà. Et là, je fais ça. Yes! Ok, j'ai compris. Alors attends, je pense qu'avec elle, c'est chaud. Ouais, mais ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ça se régénère en 5-6 secondes de ce que j'ai vu, donc ça va. Pour celui de droite, tu mets au plus proche, ouais. Ok, allez, c'est parti, la suite. Milieu. Droite. Gauche. Et redroite. Milieu. Ah purée. Attends, il va me faire chier. Ok. Non. Oh, c'est bon. Ça va marcher. On a dit milieu, droite. Je l'ai poussé. Try activating the mechanisms again. Pay more attention this time. Ah, purée. On recommence. Ember me manque. Milieu, droite, gauche, droite. Allez, c'est parti. Il faut que j'évite de le pousser, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Nice and spicy. Milieu, ça c'est bon. On a dit droite. Attends, je me place bien. Parce que je veux pas qu'il aille faire n'importe quoi là, le machin. Gauche. Il est activé, ouais. Et redroite. Ça va le faire, ça va le faire. Ok. On y arrive. On est en 2150, tu es encore dans ce donjon. Oui, je suis encore dans le donjon. Tu nous avais quittés. Tu me vois pas galérer depuis tout à l'heure en fait. Ok, demi-gauche, demi-droite, gauche, droite et milieu, j'imagine. Voilà. Demi-gauche. Oh, purée. Faut pas que je tombe en plus. Ah, mais il va être trop proche là, le machin. Ah. Et voilà, c'est ça. Ah, putain, il va me faire chier. Bah ouais, avec Umber ça aurait été en 2-2. J'aurais pas dû prendre Shangli. Mais c'est vrai qu'elle est bien quand même. Avec ses pouvoirs. On a dit demi-droite, demi-gauche, gauche, droite. Non, c'est pas ça, je m'en rappelle plus. Demi-droite. Pire, je le lance comme ça. Mais non, il était pas assez loin. Évidemment. Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Faut que je le mette presque à tomber le machin. Là normalement ça devrait faire. Mais non, mais c'est pas possible, ça marchait tout à l'heure. Try activating the mechanisms again, but pay more attention this time. Son A il fait quoi? C'est le tourbillon? Ouais, du coup il va tout activer. Ah c'est vrai que je peux le pousser. Je dois le pousser dans le vide en fait. Une fois qu'il a tiré sa première flamme. Demi-gauche, demi-droite. Gauche, droite, milieu. Allez, on va y arriver. Ah,
Ok, je l'ai poussé assez loin. Mais il est con quoi lui. On a dit demi-gauche, demi-droite, gauche. Nice and spicy. Ok, là maintenant ça, ça va le faire. Oh là 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 là. Boba, get them. Ah mais non, ça fait ça, ça met 8-9 secondes à se régénérer finalement. Je sais pas pourquoi j'ai dit 6-7 secondes. Bref. Allez, le dernier, c'est bon. Ah, plus jamais. Dans un donjon, je la prends plus jamais celle-là. Ok, maintenant faut que je retourne. Attends. Ok, je me rappelle. GG, tu vas enfin pouvoir faire de dos. Eh bah, non, parce que le donjon est pas fini. Malheureusement, le donjon n'est pas fini. Non, je regarde. Non, ça va, il est bien. Mais c'est juste que j'ai pas le bon perso, quoi. Voilà. Faut la prendre, c'est juste les stèles de feu. C'est chiant. Bah oui. Ah ouais, c'est chiant les stèles. Là, en deux secondes, je l'aurais fait avec Amber. C'est quoi ce machin là? Ah non, c'est. Ok. Ah putain. Ah non, faut que je me mette dans le vent. Ok. Tu peux stopper ici et recommencer au prochain stream. Moi je recommence pas du tout. Hein. Je le finis. Pour être tranquille. Voilà, c'est tout. Ok. Allez, on y va. Bientôt fini. On va dire ça. J'ai encore toute ma vie pour tous mes personnages. Je sais pas comment je l'ai fait. Pourquoi ils me disent d'aller là? Nice and spicy. Race you. Pourquoi? Il y en a qui se sont éteintes. Ok, ça y est, j'ai compris. Et maintenant, faut que je fasse lui. Boba, get them. Tout ce qui soit allumé. Et le coffre, évidemment. Ah, je suis contente, j'ai vite compris. Ah, tu l'avais dit. Après, il y a un gros boss. Ah. Ok, allez. J'espère qu'il est pas trop gros le boss, hein. Allez, bouge tes grosses fesses. J'ai pas dit comment faire, t'as trouvé solo. C'est vrai, c'est vrai. Je suis intelligente. J'ai tout trouvé toute seule. Mais non, je suis pas One is most impressed. The path that leads through this abode defies those of ordinary abilities. Allez, c'est parti. The one before you is the Adeptus Cloud Retainer. Now speak of the matter which brings you here.
You surmise correctly. This place did one self-build, as did one design the mechanisms within. Mais non, je lui disais bouge tes grosses fesses parce qu'elle ralentissait, elle avait plus de souffle. Maintenant qu'on est avec souffle de nuage. In fact, even Gui Zhang and Rex Lapis themselves found one's technological accomplishments to be worthy of commendation. This place is huge, and there are so many mechanisms. Do you really have this whole place to yourself? What's it even for? Did you build it as your private mechanism workshop or something? It's just like the stories say. The Adepti leave the human world, find somewhere to go be a hermit, and then they research and invent all these amazing things. One is simply not partial to the tedium of social interaction, and wish to find some peace and quiet. Find it one did. Shortly after which, you arrived bearing your sigil of permission. But enough. State the matter which brings you here at once. You have disturbed the tranquility of this place for long enough. Vous expliquez les événements qui se sont déroulés au port. Okay. Rex Lapis, assassinated. How can this be? Such a heinous crime. Who would dare? The notion is so preposterous as to be unbelievable. One shall have to verify the truth of the matter independently. Perhaps one shall quash Li Yue first, then convene with the other Adepti. Wait, what? Did you just say squash Li Yue Harbor? Are you seriously gonna wipe out the whole city? Only a response of sufficient magnitude can negate the possibility of further incidents. It is as you say, but if Rex Lapis has indeed been murdered, then Li Yue is in great peril. To delay in quashing the threat is to invite further disaster. It is precisely because one does not wish to see further suffering that exceptional measures are deemed necessary at this exceptional time. Yikes! Quick, you gotta think of something. She wants to squash Li Yue flat, and it doesn't seem like she's bluffing. Exactly what Paimon was gonna say. We made all that delicious food and gave every last bit of it to you. We were hoping you might help Li Yue out, not wipe Li Yue out. Or at least let's, you know, discuss it first. Can't hurt for you to get a second opinion. Contract? A cruel irony that you should appeal to the notion after the merciless murder of the God of Contracts himself. The people of Li Yue seem quite content to dispense with their contracts. They are quite adept at taking that which is composed of black and white and turning it gray. Nevertheless, since you come here in the name of contracts, far be it from one to abandon one's own contractual obligations. Least of all when you come bearing a sigil of permission. Rex Lapis infused these sigils with adeptal power when he first cast them. That power once aided humans in battle. Most of the sigil's power has long since worn off. It is but a keepsake now. This keepsake cannot be taken as proof of your trustworthiness. One must investigate the claims that you make independently. This, no doubt, is Mooncarver's very reason for summoning us. Your audience with the Adeptus before you is now concluded. Leave at once, and... Eh ben, il n'y avait pas de boss final. C'est pas gentil d'avoir menti, Silex. Et je suis niveau 25 d'aventure. Oui. Et du coup, mon niveau de monde, il est à 2, non? Y'a pas un coffre ici?
Oh, les radins. Faut te préparer à tout. Bah, quand même, c'est pas beau de mentir. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai tenté... J'ai dit quoi avant de sortir? Je parle... Non, pas le coffre. J'ai dit autre chose. Je sais plus. Ou alors, je l'ai pensé et je l'ai pas dit. Comme ça, t'es sur tes gardes. Ah bah oui, oui, effectivement. Ah oui, je suis niveau 25. Je voulais vérifier le niveau d'aventure de monde. Ah non. Niveau 1. C'est pas normalement... Une fois certains niveaux d'aventure atteints, niveau 25, je... Ah, faut que je termine les quêtes d'élévation. Surtout, fais pas la quête d'élévation. Pourquoi? Toujours pas utiliser tes résines. Bah, je comprends pas comment je les utilise, les résines. Je viens de faire un donjon. Tu vas continuer le stream ensuite 2 heures. Non, non. Ok, quête d'élévation, ça marche. Et... Mince, j'arrive plus à réfléchir là. Qu'est-ce que je disais? Niveau 25... Ça c'est l'histoire... Ah oui, non! Oui, les résines. Les résines... Ah, c'est dans les donjons autres que dans l'histoire. D'accord, ok. Bon, bah maintenant je sais. Bah, je les ferai à part... pas en live. Parce que ça va être ennuyeux. Enfin, ennuyeux. Donc vous allez me voir rager, quoi. C'est surtout ça. et en faisant des boss... Ok. Je savais pas que j'utilisais des résines en faisant des boss. Ouais, je savais pas. Je vais récupérer mes succès. On peut t'aider à les faire. Tu prends un pote, il tue le boss en 2 secondes et c'est fini. Oh non, ça c'est de la triche, faut pas abuser. Faut pas non plus que je laisse tout le monde faire à ma place. Récupérer. Attends. Pour récupérer les récompenses, fais des résines. J'ai pas compris ta phrase. Pour récupérer les récompenses, fais des résines. Comment ça, fais des résines? C'est un jeu de farm, tu vas le faire 2000 fois par mois. Ce sera ennuyeux de le faire 2000 fois par mois. Je reste AFK. Et tu les one-shot. Ouais, c'est quand même de la triche. J'appelle ça quand même de la triche. J'avais un point d'exclamation. Ah, j'ai débloqué le chapitre 2. Ok. Pour les récupérer, les récompenses de boss, faut de la résine. Ah, ok, d'accord. Ouais, bah j'en ai de la résine. C'est pas ce qui manque du coup. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, les points de combat. Hop. De bataille, pardon. Phase de bataille, ils appellent ça. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Ouais, bon, chacun son terme, quoi. Ah, c'est comme ça qu'on accède. Ok. Bah, ce sera pour la prochaine fois. Le faire à plusieurs, c'est mieux, ça ira vite. Ouais, c'est vrai. Bon, je verrai bien. Ouais, je vais voir. Mais bon. Bon bah j'ai fait plus... j'ai battu mon record de stream. 3h05. Tu as une quête qui bloque le multi là. Ah bon? Comment ça se fait? J'y avais accès hier. Attends. Doit être terminé avant d'entrer dans le monde d'un autre joueur. Oh? Pourquoi? Ok, bah je sais pas, j'avais accès au multijoueur donc bon. Non, là je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et on se retrouve pour un live dans 2 jours. Ou 3. Jeudi ou vendredi.
en fonction de comment j'ai avancé dans mes petites quêtes de donjon pour utilisation de la résine. Et voilà, bon ben je vous souhaite une bonne nuit et puis à jeudi ou vendredi en fonction de mon avancement. Jeudi c'est férié. Ouais, bah c'est encore mieux, voilà. Allez, salut, bonne soirée.